αυτό το κόκκορο που έφτιαξε το κολλουμένο, κολλουμένο. Λάκκου τον τόμ, δηλαδή τη έτσι λεστήμα από τα νοπούλια που έχουν. Κολλουμόν παμάτε νέκα, ένα σαν ούτε βρέθη. Το καλό μου πω, έμβε το κολλουμό, κοιμή πάρω πολύ λόγιμον, και κύριο κόμ, το παράφα λογάω, βρέβλε με βαγού, ρομότερο του. Έμβε πάρ, να το μολουμό. Εν κού έλεγκα, λεπτά νέκα με τα πλούκο του μαγαρή. Δεν τη λογιμό που βάζει μου χάινε το μόνο. Δεν είναι δεβόντου. Lors de cette rencontre vraiment très simple, il s'agit dans un premier temps de faire la lecture du PV du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive, puisque le samedi on n'a pas eu. Dans le couvert, et puis par la suite, les dignitaires que vous êtes allez paraffer les documents que nous avons chargés de les faire enregistrer et l'envoyer à qui le doit. Voici comment les choses vont se présenter. Merci. Donc, vous avez dans vos chemises le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive de la Conférence des Églises révélées d'Afrique, en abrégé CERA. L'an 2016, le 23 juillet, s'est tenu à la paroisse Saint-Raphaël, siège de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, dans la commune de Port-Bruy, l'Assemblée générale constitutive de la Conférence des Églises révélées d'Afrique. Monsieur Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion de la liberté religieuse et de la laïcité, représentant Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a présidé la cérémonie d'ouverture de la dite Assemblée générale constitutive, en présence des leaders des quatre églises membres fondateurs que sont Patriarche Nangui Adiako Faustin pour l'église du Christ Mission Aris dite Église Aris, chef suprême Tapuri Nyanabe Fidèle pour l'église d'Ima, révérend pasteur Ediemou Blin Jacob pour l'église du christianisme céleste, messager Broalé George pour l'église Papa Nouveau. L'Assemblée générale constitutive de la Conférence des Églises révélées d'Afrique a regroupé, outre les leaders des quatre églises membres fondateurs, les membres du bureau exécutif provisoire et 10 délégués par église membre. Un bureau de séance a été mis en place pour conduire les travaux, présidé par le docteur Pité Degré Albert, ayant pour secrétaire docteur Amao Gina Yacinthe, et M. Aka Batlemi comme rapporteur. Le bureau de séance a indiqué le jour de l'Assemblée générale constitutive. 1. Lecture et adoption des textes réglementaires. 2. Mise en place des ordres. L'ordre du jour ayant été adopté, les travaux ont abouti aux résolutions suivantes. Après lecture, les statuts et règlements intérieurs de la CERA ont été adoptés par acclamation. Après concertation, les leaders des quatre églises membres fondateurs ont unanimement désigné le révérend pasteur Ediemou Blin Jacob comme président du bureau exécutif de la CERA. Un bureau exécutif de 17 membres issus des quatre églises a été constitué pour aider le président dans sa tâche. L'Assemblée générale constitutive de la Conférence des Églises révélées d'Afrique sera s'est achevée dans une ambiance fraternelle. En foi de quoi, le présent procès verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Abidjan le 23 juillet 2016, l'Assemblée générale. Et vous avez donc
sur la seconde page la liste des signataires, donc les leaders que vous êtes, c'est vous qui entérinez, n'est-ce pas, cette assemblée générale, en apposant donc vos signatures. Donc nous avons fait cela, il y a 16 copies, il y a 6 ou 7 qui vont accompagner les statuts des communes intérieures, et 6 ou 7 qui vont accompagner le PU. Et tous ces actes-là seront compilés dans un seul document et acheminés au niveau du ministère de l'Intérieur. Je vais m'arrêter là. Vous êtes en train de réfléchir, vous dire que la séance d'ouverture a été faite par un prière, qui a été faite par. Intervenant encore ces mêmes choses. C'est achevé dans une ambiance fraternelle, après la prière, qui est peut-être un peu tué. Faire bien l'assemblée générale, pour moi, c'est ça. C'est, l'ordre du jour a été adopté. Le bureau de science a été mis en place. La réalité, l'Assemblée générale a signé par pour l'Assemblée générale le bureau de science. L'Assemblée générale. Nous voulons encore une fois que nous essayons de nous retrouver, c'est ça. C'est pas vous qui avez travaillé là-dessus. Pour l'Assemblée générale, le bureau de science. Nous, on n'a parlé qu'après votre papier. Nous parlons simplement des statuts qui ont été adoptés. Les membres fondateurs ont fait des statuts. On dit que ceux qui vont appartenir à cela doivent accepter les statuts. C'est les membres fondateurs qui signent les statuts à la fin. Donc je voulais que nous comprenions bien des statuts qui régissent à cela, signés par les membres fondateurs. Nous les quatre. Vous avez bien dit quelque part que personne ne peut entrer dans la CEVA sans qu'il soit soutenu par un membre fondateur et ce membre fondateur n'a pas appui des trois autres. C'est-à-dire que ce sont les pères de la CEVA. C'est eux qui ont le nom, la signature et la main à la fin. Là, c'est vous qui signez ce que je voulais dire. Donc on ne commence pas à bien faire comme on l'a avancé. Merci. Oui, c'est ce que je pense.
Oui, non, il a fini. On attend le message du conseil de l'autre. Gracias.